les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne tournez pas la roue de la mort les amis. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, ça sera une roue spéciale Poppy Playtime. Regardez, du coup on aura tout simplement 6 personnages. On a tout simplement Huggy Wuggy, on a Bunzo Bunny, on a également Kissy Missy, Mommy Long Legs, Daddy Long Legs et Killy Willy les amis. Donc pour cette vidéo je suis tout simplement en compagnie avec de des gars. Bon, je suis pas content qu'il soit là, mais bon, on n'a pas le choix, c'est lui qui a forcé pour venir. Je suis très content d'être avec toi, DK, aujourd'hui pour cette vidéo. Du coup, les amis, voilà, 6 personnages très très flippants, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important, les amis, vous allez voir, il va se passer pas mal de choses. Mais avant que cette vidéo ne commence et qu'on lance la roue, du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification si c'est pas encore fait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Je compte sur toi, vraiment, abonne-toi. Il y aura plein de vidéos cet été, voilà, pendant les vacances. Du coup, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Du coup, est-ce que DK, tu es prêt? Je suis toujours prêt. Ok, bon, bah c'est parti les amis. On va tout simplement lancer la roue et on va voir quel personnage on va aller voir en premier. Du coup, voilà, comme c'est ma vidéo, c'est moi qui va tirer en premier. Bien évidemment. 2, 1, let's go. Ok, le bloc jaune les amis. Alors, le bloc jaune, on va regarder tout de suite c'est qui. Ok, c'est Bunzo Bunny, du coup les amis, c'est juste là. Bon, c'est DK, qui lui? C'est un personnage de Poppy Playtime, hein, tu le connais pas? Non, pas du tout. Ok, bon bah ça tombe bien, on va découvrir ça tous ensemble du coup les amis, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, voilà, vu qu'on l'a jamais vu sur ma chaîne YouTube. Du coup c'est parti. Ok, donc là il y a deux portes, on va les ouvrir. Let's go. Rentrer. Ok, c'est bon, oui. On a été téléporté les amis. Wesh, on est où là? C'est quoi, c'est un tunnel ça? Okay, bon. Cet endroit. What? Attendez, wesh, c'est quoi ça? Ah, c'est accueillant chez lui donc. Ouais, ça donne très envie d'aller le voir là, vraiment. Ok, donc du coup là il y a un panneau. Alors tu Bunzo Bunny. Ok, oh, du coup on va devoir se fight contre lui. Ah, alors ouais, te retombe pas, te retombe. Ça commence très bien. Pourquoi il y a quoi derrière moi, DK? Ben je sais pas, ne te retombe pas, juste ça. Mais je t'ai dit de te retourner. What? Ok, mais attendez, mais il fait flipper. Ok, on va. Ouais, je vais me faire un bon lapin grillé moi. Oh, ça. Non, 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 attends, sors pas ton pistolet tout de suite là. Pour l'instant, il a pas l'air très agressif. Ok, par contre, attendez, mais regardez comment il fait flipper. Est-ce qu'il parle, tu bizarre. Penses, DK? Je sais pas, hé hey, toi là-bas, tu parles? Hey, Bunzo Bunny, tu parles ou pas? Pan pan. Ouais, je sais pas, attendez, il a pas l'air de parler là. Ouais, bizarre. Ok, oh, j'ai entendu un bruit. Mais c'est bizarre, Bunzo Bunny, il parle normalement, DK, je crois. Hein. Enfin, moi je le connais. Mais je t'ai dit, moi je le connais pas. C'est très très bizarre, peut-être qu'il a pas envie de nous parler. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir se fight contre lui, les amis. Et on n'a pas le choix, voilà, on a aucune issue de secours. Bon, DK, tu vas me laisser faire, d'accord? Oui, bien sûr. Oh, il a pas le temps, il commence direct. Ok, les amis, heureusement que j'ai pris un pistolet pour cette vidéo, du coup, vous savez, c'est parti. Aïe, wesh, ok. Ah, bah si, il parle. Oh, ah, ouais, on l'a entendu, ok. Let's go, ok. Bon, faut pas que je me loupe, les amis, parce que là, vraiment, il me reste 3 coeurs et j'aurai juste. Viens là. Ok, ok, ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, wesh, j'ai plus de balles, les amis, j'ai plus de balles. Ok, il est parti. Tiens, il est parti, prends où, ça. Il est parti où? Non, non, c'est bon, j'ai re des balles. Il est parti où par contre là? Bah là, derrière toi. Non, ah, là, derrière. Il est là. Ok, let's go, let's go. Laisse-moi faire des cas. Laisse-moi faire, ok. Ok, il doit plus avoir beaucoup de vie. Ah, il est résistant quand même. Hein, non, les... je ne mourrai pas. Je recharge. Ouh, je m'ai fait flipper sa voix. Ok, ok, let's go. Ok, c'est bon. Je l'ai eu, les amis. Ok, let's go. Wesh, ah, c'était chaud, regardez, il me reste plus que la moitié de ma vie. Par contre, t'as pas des steaks sur toi, DK, parce que j'ai faim là et je peux pas régénérer. Bien sûr que j'ai des steaks, tiens un steak okay, pour toi. Ok, bah, nickel, hop, on va bien manger, comme ça on va pouvoir se régénérer les amis. Et du coup, en attendant, on va faire une petite ellipse et on se retrouve pour le deuxième tirage de la roue de la mort. Donc, à tout de suite. Ok, re tout le monde, voilà, on est de nouveau devant la roue. Par contre, je viens de le dire à DK, les amis, j'ai découvert un truc très très bizarre. En gros, si vous voulez, il y a que 5 tunnels. Et regardez, voilà, sur dans la roue, il y a 6 personnages. Donc, à mon avis, je pense que voilà, il y aura une base où il y aura tout simplement 2 personnages. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué du coup. Mais du coup, on verra bien. Voilà, on va découvrir ça dans le reste de la vidéo, les amis. Du coup, DK, cette fois-ci, c'est à toi de tirer la roue. Allez, c'est parti, let's go. Ok, let's go. Hop là. Oh, le bloc rouge. Alors, attendez, du coup, on va regarder. Qui ça peut bien être? Ok, c'est Huggy Wuggy, hein. Ouais, c'est notre cher ami Huggy Wuggy. Enfin, notre cher ami, pas vraiment du coup. Ouais, non. Mais du coup, let's go. Attends, mais c'est quoi ça? Wesh, y a un flingue. Tiens, tu le veux? Bah non, j'en ai déjà un du coup, mais what? Attendez, je vais tirer comme ça, je vais recharger. Hop, ok, bon, vas-y, viens, suis-moi, DK. Bon, bah, c'est bien, ça fait une arme en plus. Au moins, si on doit se défendre, on a de quoi.
Du coup, let's go. Ok, on va rentrer dans le tunnel, les amis. Oui, je sais pas. Fais attention, hein, par contre, parce qu'on sait jamais avec Yugi Wugi. Ok, let's go. On continue d'avancer. Hop. Bon, ici, il y a des escaliers. Oh, regardez, les amis. Ok. Mais attendez, mais on est carrément dans le jeu là. Wesh. Ouais, par contre, Razon, il y a un truc qui va pas là. Pourquoi? Tu sais, Yugi Wugi, normalement, il est toujours positionné ici et on va que quand on rentre dans le labyrinthe. Ouais, il est pas là. Mais là, attends, il y a un panneau, il y a écrit retrouve Poppy et libère-la. Ok, mais attends, Poppy, c'est la petite fille. C'est la poupée, tu sais. Ah ouais, ok. C'est-à-dire Coquelicot. Du coup, on va devoir la libérer. Ok, bon, à mon avis, là. Ouais, c'est un labyrinthe, du coup. Bon, t'es prêt, Deka? Non. ouais, parce que comme tu l'as dit, justement, Yugi Wugi, les amis, il devrait se situer ici. Donc, à mon avis, il doit être dans le labyrinthe. Et on va devoir retrouver Poppy pour la libérer. Let's go. Bon, on reste ensemble. Hein, Deka, je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, comme ça, si jamais on se fait attaquer dans le labyrinthe, au moins. On est à deux. Ok, let's go. Bon, j'espère que le labyrinthe n'est pas trop grand. Parce que moi je suis pas très doué en labyrinthe. Et j'ai tendance à vite me perdre, les amis. Du coup, c'est parti, on va avancer. Wesh! Y'a quoi? T'as pas vu? Non? Y'a Yugi Wugi qui vient de passer juste là avec un couteau. Ok, les amis. Bon, on va continuer à avancer. Alors, la mission c'est de retrouver Poppy. Par contre, là j'ai vite envie de partir. Bon, il est parti vers là-bas. Attends, on va aller dans le chemin inverse. Ok, bon, ça m'annonce. Ouh! Ok, vite! On part, let's go! Je veux pas mourir, je suis trop jeune! Elle est où, Poppy? Elle est où? Faut la retrouver là! Ouh, mais le labyrinthe il est gigantesque, les amis, j'ai l'impression! Ok, les amis, let's go! Tu me suis, Deka? Pas du tout, je suis perdu! Wesh, non, en plus de ça, j'ai perdu Deka et y'a Yugi Wugi qui est juste ici, les amis! Vite, faut que je parte! Ok, il me suit plus, je crois! Ok, let's go. Ok, là, je suis retourné en arrière. Mais elle est où, Poppy, les amis? Ok, c'est impossible de la trouver, j'ai l'impression. Mais attendez, j'ai l'impression que je tourne en rond. Ok, t'es vers où, Deka? Oh, t'es là. Aïe! Yugi derrière! Lui aussi, il est là! Ok, il nous a bloqué, vite! On part, let's go! Sors! Ouais, mais t'es marrant, tu veux qu'on sorte où? Je sais pas, y'a pas de sortie! Faut retrouver Poppy! C'est normal que j'ai vu un truc rose. Quoi? Ouais, je suis pas sûr que ce soit très normal ça. Yugi juste ici, tu l'as vu? What? Ok, y'a KCVC aussi avec. Ok, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Du coup, les amis, il y a deux personnages réunis dans une seule base. Ah, mais là, clairement, faut retrouver Poppy. Là, on a plus le choix là, Deka. Faut vite qu'on parte d'ici. En plus, j'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. Après, elle est peut-être pas dans le labyrinthe en vrai, non? J'en sais rien. Pierre, reste dans le labyrinthe, toi. Moi, je vais essayer de ressortir, les amis. Je vais essayer d'aller voir dans le lobby. Ça tombe, on l'a même pas vu. Elle était cachée quelque part ici. Non, elle a pas l'air d'être là. Il y a pas l'air d'avoir de poupée, les amis. Bon, bah, Deka, si tu vois quelque chose, tu me dis quoi, hein? Deka? Wesh, attendez, les amis. Oui, attends, je crois que j'ai trouvé un truc. T'as trouvé un truc? Ouais. T'es où? Oh, il y a qui s'est mis ici? Une salle en bois. Ok. Une salle en bois? Mais attends, mais elle est vers où? Super loin. Oh, les amis, très loin. Faut que je le retrouve. Ok, let's go. Bon, attendez, les amis, par contre, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je tourne en rond. Il y a Kissimissi qui me suit en plus. T'es parti. Enfin, c'était vers la droite ou vers la gauche ou vers le milieu, Deka? Droite, gauche, devant, gauche, droite, devant, gauche, droite, devant, gauche. Bon, j'ai rien retenu, hein. Moi non plus. Essaye de me retrouver au pire, tu m'attires là vers là-bas comme ça. Attendez. Je tourne en rond, c'est un truc de malade. Wesh, mais le labyrinthe il est gigantesque, les amis, c'est impossible de retrouver. Mais comment t'as fait, Deka, là? Bah, bonne question. Wesh. Bon, on va continuer. Peut-être par là. Non, c'est un cul-de-sac aussi. Eh, j'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure, les amis. Bon, ce qu'on va faire. Oh, j'ai trouvé. Ok, c'est bon, let's go. J'allais faire une ellipse, les amis, mais j'ai trouvé. Ok, c'est bon, j'ai récupéré Poppy, du coup. Bon, on va vite partir. Je suis là. Tu connais le chemin de retour ou pas? Pas du tout. Wesh. Ok, ils sont derrière. Let's go. On part. Bon, les amis, attendez, maintenant il faut retrouver le chemin pour s'enfuir d'ici. Ça sera une autre galère encore. Ok, let's go. Mais il est immense, ce labyrinthe. Mais ouais, il est gigantesque, le labyrinthe, les amis. C'est impossible de retrouver le chemin. Hop, bon, là j'ai l'impression que je retourne en arrière. Ok, ouais, non, ça doit pas être par ici. Aïe, wesh, Yugi Wugi nous suit, hein. Bon, Kissimissi, il veut pas nous hacher. Hop, let's go. Ok, bon, je sais pas du tout comment faire, hein, vraiment. Le labyrinthe, j'ai jamais vu un labyrinthe aussi grand, les amis. Ouh, j'ai un cul-de-sac encore. Aïe, ouh, il me fait mal. C'est bon, j'ai retrouvé un chemin.
T'as retrouvé Toi, je sais pas où t'es. Ouais, bah moi, je suis en train de me faire zigouiller par Huggy Wuggy là. Ok, let's go, let's go, let's go. Bon, faut que je retrouve des cas là, j'ai pas le choix. Ok, par où il a bien pu partir? Essaye de me retrouver au pire et en retenant le chemin des cas si tu peux. Aïe, ouais, bien sûr. Il est encore derrière. Ok, ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, non, c'est un cul de sac. Les amis, j'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure. Ok, je vais essayer de tirer, ça va peut-être le faire fuir. Ok, ça le fait fuir. Visiblement, il aime pas trop les armes à feu, Huggy Wuggy. Bon, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. Et je vous reprends une fois que j'ai retrouvé des cas, parce que là, vraiment, c'est insupportable. Donc, à tout de suite. Ok, c'est bon, les amis, j'ai enfin retrouvé la sortie. Par contre, regardez, il y a les deux derrière nous. Ok, ferme les portes, ferme les portes. Ok, non, il y a Huggy Wuggy qui a réussi à passer, je crois. Vite, 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 vite. Ok, ils ont réussi à passer. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, là, c'est les deux dernières portes, les amis. T'es où, Deka? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais fermer, je vais fermer, je vais fermer. Ok, ok, je vais poser des blocs derrière. Ouh. Hop. Ok, c'est bon, normalement, ils peuvent plus passer, les amis. On a récupéré Poppy. Eh, franchement, on a eu super chaud. Hein. Je sais même pas comment j'ai fait. Bon, wow, regarde, ils sont là. Ils peuvent pas passer, du coup, ils ont trop le seum. Hop. Ouais, du coup, je vais poser Poppy juste ici. Voilà, elle est enfin libérée. Eh, par contre, j'ai eu super chaud, les amis. J'ai galéré à trouver la sortie. Bon, bah, du coup, voilà, on fait une petite ellipse. Le temps de se retrouver devant la roue. Donc, à tout de suite. Ok, c'est bon, les amis. On est de nouveau devant la roue. Alors, attendez, je récupère un peu mon souffle. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a fait que de courir dans le labyrinthe. Du coup, c'est parti. Je vais tirer la roue. 1, 2, 3, let's go. Ok, le bloc bleu. Alors, à mon avis, ça va être Daddy Longlegs. Eh, ouais, là, bon, il reste déjà plus beaucoup de personnages là en vrai. Hein. Il reste qui? Il reste Mommy Longlegs et Killui. Ouais, il reste ouais, que ces deux là. Et du coup, bah Daddy Longlegs qu'on va aller voir dès maintenant. Donc, je pense que c'est le moment de mettre un gros pouce bleu, les amis. Si vous kiffez ce genre de vidéo, voilà des vidéos roue de la mort. Je pense que voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui kiffent. Du coup, mettez un gros pouce bleu, voilà. Si on pourrait atteindre les 400 pouces bleus, ça serait super cool. Du coup, let's go. Tiens, regarde, Razen, un peu la déco de ce tuyau. Bizarre, non? Ouais, on dirait un peu une déco Mario, non? Enfin, j'en sais rien, mais... Un peu construction. Ouais, un peu construction. On va peut-être devoir construire un truc, les amis. On verra bien. Du coup, c'est parti, let's go. On rentre. Ok. Ouais, c'est quoi toutes ces plaques de pression? Bizarre. Ok, construire... Oh. Le rêve de Daddy Longlegs, what? On va devoir construire le rêve de Daddy Longlegs, mais qu'est-ce que ça peut être le rêve de Daddy Longlegs, tu penses? Bah, faut y demander, hein. Oh, mais attendez, wesh, j'ai été mis en game, en game mode 1. What, mais attendez, mais c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait, là? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Wesh, ok, bon, bah, si tu veux. Bizarre, hein. What? Il a disparu? Ok, bon, je sais pas du tout. Oh, random. C'est un fan, il est venu, il s'est dit, oh putain, je me tape avec lui. Peut-être un abonné, il voulait peut-être une dédicace, j'en sais rien. Bon, en tout cas, Daddy Longlegs, coucou. Allô? Oh, ok, on l'entend parler, c'est la première fois que j'entends parler. Ah, ouais, mais il a vraiment une voix de vieillard. Attendez, je vois pas très bien. Ah, ouais, je regardais les lunettes, c'est même plus des lunettes, c'est des jumelles carrément qu'il a. Bon, du coup. Oui. Daddy Longlegs, apparemment on doit construire ton rêve, mais c'est quoi ton rêve? Moi je. J'aimerais bien que vous fassiez ma tête. Quoi? Vraiment, c'est un rêve de fou, hein. Bon, bah écoute. Allez. Ok, c'est parti, du coup on va construire sa tête. Bon, ça devrait pas être très compliqué. Alors, bon, bah, ce qu'on va faire. Ah, pense amis, ça. Vous avez 3 minutes. Ah, ouais, ah oui, il y a un timer 3 minutes. Par contre. Top chrono. Bon, vas-y, on se dépêche, hop, let's go. Du coup, c'est parti. On fait par 8. On fait juste un pixel art, hein, non? En vrai? On va faire un truc carré, non? Ouais, ouais. Allez-y. Bah attends, laisse-moi faire. Hop, on va faire un truc comme ça. On va faire. Fais sur 6, fais sur 6. Bah vas-y, hop, monte. Fais la hauteur au pire, hop. Ok, alors ensuite sa coupe de cheveux. Hop, et il faut faire ses yeux. Bon, par contre, ouais, il faut qu'on fasse vite, hein, des cas, parce que là c'est chronométré. Du coup, bon, on n'a pas le chronomètre. Eh, hey, remonte ta tête là-haut. Remonte ta tête là-haut. Sinon, c'est de la triche, on peut pas voir. Hop là. Ok, bon, il a. Hop. Regardez ses yeux, on dirait des œufs, les amis. Hop on dirait des œufs sur le plat. Hop, on va faire ses yeux du coup. Je vais me faire du thé. Comment tu vas te faire du thé là? T'as même pas de thé hier, bizarre. Mais si, t'inquiète. Par contre, on aurait peut-être dû le faire plus grand là. Des cas, on va avoir un souci, je crois. Hein. Montre. Oula. Attends, bah fais juste un œil. Non, en vrai, c'était bien ce que j'ai fait, mais attends. Si vous ratez, je vous tue. Attends, non, fais pas comme ça, attends. Laisse-moi faire des cas, t'inquiète pas. Vas-y, je fais les cheveux. Hop, on va juste faire comme ça, hop, voilà.
Ok, on va juste monter comme ceci, juste ici. Hop. Ok, bon, là déjà on a ses yeux. Fais voir ta bouche. Je prends une douche. Hop. Ok, hop. Non, on va pas. On va éviter de faire ça. Je vais prendre une douche. On va juste faire sa bouche, les amis. Du coup, c'est parti. On va prendre ce bloc-là pour faire sa bouche. Hop. Let's go. Hop. Ok. Hop. Ça fait combien de temps, Daddy Longlegs? Ok. Ah, ça fait. Pas mal, hein. Attends, on fait voir. J'ai pas pris mon chrono. Ouais, bah il sait même plus compter, je crois, à cet âge-là. Hop. Ok. Franchement, je pense que là, on est pas mal du tout, hein. Les amis, dites-moi en commentaire comment vous trouvez notre le visage de Daddy Longlegs là. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une baignoire là? What the fuck? Franchement, regarde des cas à l'avant. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Monte ta tête, Daddy Longlegs. Ouais, monte ta tête, Daddy Longlegs. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est envolé avec la piscine. Avec la piscine, carrément. Fais voir ta tête là. Oh. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que là. Là, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses en vrai, Daddy Longlegs? Oh, ça me ressemble pas du tout. Bah si, il est compliqué. Pourquoi il y a une goutte d'eau? J'avoue ça. Par contre, c'est bon. C'est bon, hop. Là, je pense qu'on est pas mal hein, avec sa petite coupe de cheveux là, comme ça. Il manque une partie. Comment ça, il manque une partie? Ouais, j'avoue en vrai, j'avoue. On a mal calculé en vrai. Mais ouais, j'avoue, hop, là, c'est pas mal. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Ok, Daddy Longlegs. Bon bah vas-y, va à la prochaine hein, du coup. Vas-y, à la prochaine. Ouais, je suis là. Ok, bon, pas à la prochaine du tout. On y va. Du coup, je fais une petite ellipse et on se retrouve devant la roue, les amis, à tout de suite. C'est bon, les amis, on est de nouveau de retour devant la roue et du coup, il reste plus que deux personnages, des gars. Let's go. Je sais pas pourquoi j'ai un instant de folie comme ça. Oui, je sais pas non plus. Du coup, c'est à toi de tirer la roue, hein, je crois, des gars. Oui, c'est exactement, cher Razen. C'est parti, 3-2-1, let's go. C'est parti, let's go. Le bloc violet. Alors, le bloc violet, je pense que ça sera Mommy Longlegs. Et oui, c'est ça, du coup. C'est parti, let's go. On va aller voir Mommy Longlegs. C'est parti, oula. Ok. Pourquoi la porte, elle est ouverte, par contre? Cette base me dit étrangement quelque chose, Razen. Oh, attendez, moi aussi. Ah, mais... Mmh. Attends, on dirait la base de CRNA dans la précédente vidéo, non? On dirait bien, ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la précédente vidéo si c'est pas encore fait, les amis. Mais du coup, alors attendez, rends la base à CRNED en tuant Mommy Longlegs. What? Attendez, mais ça veut dire que... Il y a eu un combat entre Mommy Longlegs et CRNED juste ici. Et CRNED s'est fait victime. Et CRNED s'est fait victime bolos. Ok, bon. Bah, par contre, j'ai pas trop envie de rendre la base à CRNED, hein, parce que vu comment il a été méchant avec nous dans la précédente vidéo. Ouais, mais j'ai pas envie de le laisser à Mommy non plus, tu sais. Ouais, bon bah ce qu'on va faire c'est que du coup on va rentrer et on va devoir je pense tuer Mommy Longlegs, hein, on n'aura pas le choix. Oui. Ok, bon par contre où elle pourrait se trouver? Elle a l'air cachée quelque part là. Mommy Longlegs, où t'es? Ok, bon il y a aucune réponse. Elle doit être cachée. Fais attention des cas à pas te faire surprendre. Elle est là. Allez, j'ai entendu un bruit. Attendez, c'était quoi ça? Non, ça c'est mes flammes, t'inquiète, elle est juste derrière. Elle me suit. Attends, passe le lance. Oh wow. Il me reste deux cœurs, wesh. Oh ouais, mais elle rigole pas, passe le lance-flamme. Passe le lance-flamme des cas. Je vais la carboniser, les amis. Hop, c'est parti du coup. Bon, par contre, vous faire gaffe parce qu'elle a l'air surpuissante là. Hein. Wesh. Okay. Elle est où? Et je sais pas, on la voit pas. Oh wesh. Ok, c'est bon, elle est juste derrière là. Ok, let's go, les amis. On va la carboniser. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça lui fait zéro dégâts. Hein. Par contre, wesh. Mais attendez, mais. Elle est ininflammable ou quoi là? C'est quoi ça là? Wesh. Essaye une autre arme. Ouais, je vais essayer une autre arme. Ok, bah, ça marche pas non plus. Ok, oh, what? Ah ouais. Bizarre. Wesh, ton pistolet laser, il a tué directement. Ok, bah. Pas le mien, c'est celui de Rodrigue. Hein. Bon, par contre, viens, on va éteindre les flammes parce que l'arbre il va prendre feu sinon. Au pire, c'est celui de CRNA, hein, c'est pas très grave. Ouais, mais bon, quand même, voilà. On protège la nature, nous ici, les amis. Du coup, c'est parti. Hop, on va éteindre toutes les flammes. Et comme ça va éviter que cet arbre prend feu, les amis. Par contre, bah ouais, c'est de notre faute, du coup. Hein, parce que. Bah oui, un petit peu. On a mis un lance-flamme. Ok, y a encore une flamme ici, les amis. Hop, on va. Après, il y a de la lave déjà, tu me diras. Alors, en soi. Ouais, mais en soi, je pense pas que ça va aller jusque l'arbre. Tandis que les flammes, ça va plus facilement se propager. Enfin, se propager. Enfin, après, je sais pas. Bref. En tout cas, on va vite ressortir, les amis. C'est parti, let's go.
Bon ben on a réalisé la mission hein, même si ça irait net, du coup il va revenir du coup. Et du coup voilà, on fait une petite ellipse et on se retrouve déjà pour la dernière base de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, à tout de suite. C'est bon les amis, je suis de retour devant la roue. Par contre Deka, je sais pas du tout où il est passé. Je suis là-haut, je vais faire le plongeon de ma vie. Où ça Deka, je te vois pas du tout là. Là sur le pilier. Le pilier? Attendez mais quel pilier? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un pilier de roche. Là, là, ici, retourne. Non, le pilier au milieu du lac. Au milieu du lac Ah, ok, pilier. Là-bas. Coucou. Ok, moi j'ai. Attends, prépare-toi. 3, 2, 1. Wouah. Chou. Et en plus, je suis loupé. Eh, ne faites pas ça chez vous, les amis. C'est super dangereux de sauter d'une falaise comme ça. Même s'il y a de l'eau en dessous. Enfin, bref, parce que je sais que voilà, il y en a certains qui vont partir en vacances. Et du coup, voilà. Il y en a potentiellement qui vont peut-être faire ça, mais c'est super dangereux. Donc faites très attention à vous les amis. En tout cas voilà, nous il reste plus que un personnage. Donc pour le fun on va lancer la roue, même si on sait déjà qui c'est. Ce sera tout simplement Killy Willy. Et du coup c'est parti, on va lancer. Et oui c'est le bloc blanc qui sort bien évidemment, puisqu'il reste plus que lui. Du coup c'est parti, on va Let's go. Let's go. Bon et par contre là faudra faire attention hein, Deka. Parce qu'à mon avis reste silencieux. Ouais, il va rester, enfin il va être très très fort. Mais ouais, je vais faire une crise d'épilepsie là. What? Épilepsie bonjour. Mais c'est quoi ce tunnel bizarre là? Ok, bon j'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans les abonnés. Hop, let's go. Ok, what? Attendez, c'est quoi ça? Okay. Oh okay. Attendez, c'est un questionnaire je crois. Attends, décrire la peluche de Killy Willy. Elle doit être au bout du questionnaire je pense. Ouais à mon avis du coup bon. Par contre faut pas qu'on se loupe là hein. Clairement. Alors quel Disney parle d'internet? Akento ou alors les mondes de Ralph? Alors moi les amis je ne connais pas beaucoup les Disney. Du coup je vais demander à Deka. Avec les mondes de Ralph quand même. Ouais Akento c'est la famille là. C'est avec c'est la famille Madrigal. Ouais ok bon bah c'est bon. C'est une bonne réponse du coup. Alors yep. Où Diabolofit 35 a acheté un serpent? La botanique ou le dark web? Bah je pense que c'est le dark web hein, clairement. Ouais. Parce qu'on peut pas acheter un serpent comme ça si. Si tu peux mais je crois botanique ils ont pas le capacitaire des serpents. Ah ok bon bah du coup il l'a acheté sur le darknet les amis, enfin le dark web. Alors quel site énerve les lycéens, Pix ou Amazon? Pourquoi Amazon énerverait les lycéens? Bonne question. Bon bah je pense que c'est Pix même si je sais pas du tout c'est quoi. Tu sais ce que c'est? T'as jamais fait Pix toi? Bah tu sais c'est un truc pour faire l'apprentissage en informatique. Ah bah non j'ai jamais fait. Bon, de la chance. Du coup je pense que c'est Pix hein, let's go. Ok c'est bon c'est la bonne réponse. Alors qui est le créateur de Minecraft, Herobrine ou Notch? Bon ça c'est facile, ouais. C'est bien évidemment Notch. Ensuite as-tu peur de moi? Non, oui. Bon bah j'imagine que là on parle de Killy Willy. Moi j'ai pas peur hein perso. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Bah ouais, il me fait un petit peu peur quand même, mais bon, je vais dire non, du coup. Ouais, je dirais non moi aussi, hein, parce que oui, c'est la certitude qu'on meurt direct. Ouais, bon bah j'avoue, ok, bon bah let's go, non. Oh. Alors, prépare-toi à avoir peur. Wesh, ok, bon bah ça veut dire c'est des menaces là? Ouais, un peu. Un petit peu, ouais. Bon. Ok, les amis. Une peluche. Wesh, ok, y'a personne pour l'instant. Je crois qu'on arrive au bout du questionnaire là. Non, je crois qu'il faut la détruire, Razer. Il faut la détruire. Attends, je vais essayer de la détruire. Ok, c'est bon, je l'ai cassé. Et maintenant? Mince. Mais maintenant, il y a rien. Ouais, il y a rien qui se passe, c'est bizarre. Okay. Bizarre. What? Ok, j'ai raté. Ok, vite. Ok, il y a qui lui est juste ici, les amis. Je vais essayer de le cramer. Ok, je crois que ça lui fait rien, les amis. Hop, on va essayer de lui tirer dessus. Ok, il nous suit. Ok, let's go. Vas-y, essaye de le brûler, Deka. Ok, non, me brûle pas, moi, par contre, fais gaffe. Ok, let's go. Je veux pas mourir. Aïe, il me fait mal. Sors. J'ai plus de vie, les amis. Ok, il reste la moitié de ma vie. On le bloque. Ok, essaye de le bloquer, vas-y, je vais essayer. Oh, il a cassé les blocs, il s'en fout. Il est passé à travers, les amis. Oh là là là, dinguerie, faut trouver un moyen de le tuer là. Ok, mais il est super vénère, Killy Willy. Vas-y, bute-le. Ok. Aïe, tu fais mal. Vas-y. On lui tire dessus. Ok, oui. C'est bon. Ça a marché, je lui ai mis plusieurs balles, les amis, on a réussi à le tuer. Let's go. Ok, c'est bon. Bon, bah ouais, voilà, non, les amis. On a réussi la mission, voilà.
et on a tué Killy Willy. Eh, franchement, je suis essoufflé, il m'a fait courir. Et aujourd'hui, on a beaucoup couru dans cette vidéo sur Minecraft, les amis. Un petit peu, oui. Bon, bah, du coup, voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification si tu as kiffé cette vidéo. Ça me ferait super plaisir, comme je l'ai dit dans l'introduction, les amis. Et mettez un gros pouce bleu, voilà. 400 pouces bleus, je sais qu'on en est capable. Je compte sur vous. Mettez également un petit commentaire, voilà, pour me dire si vous êtes en vacances actuellement ou pas encore. Et si vous n'êtes pas encore en vacances, bah, dites-moi la date à laquelle vous êtes en vacances, tout simplement. Et en tout cas, voilà, un grand merci à DK, à Com et à Multicraft d'avoir participé à cette vidéo. Leurs chaînes seront en description. N'hésitez pas à y aller, vous abonner, ça leur ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!